Un site d'énergie. Je devrais y puiser. Un site d'énergie. Je devrais y puiser. sœur nous guidera droit jusqu'à nous. Terrain militaire. Pas de villageois sans autorisation express du commandant. Honnêtement, j'ai l'air d'un villageois. Vous avez l'air louche, surtout. Vraiment. Vous n'avez jamais vu un sorceleur, peut-être? Un sorceleur? Le capitaine Peter Sarguinlev est dans la tour, juste à droite après le portail. Dire que les gens ont peur des escadrons noirs. Vous êtes très serviable, en fait. Pas toujours, Nordien. Pas toujours. La tour, c'est par là. Quelle quantité de grains peut fournir le village? Comme vous voudrez, votre excellence. Regarde mes mains. Tu vois ces cales? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans. Alors, réponds-moi de paysan à paysan. Quelle quantité de grains? 40 boisseaux. Normalement, ce serait plus, messire. Mais nos troupes, enfin les Témériens, ont déjà prélevé leur tribut et... 30 boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. Oh, merci, messire. Merci. À part les chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on m'a dit. Vous êtes un poil trop grand. Bien vu. Geralt de Riv, sorceleur. Un Valguerne. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous? Je cherche Yennefer de Wengerberg. Où est-elle partie? C'est un secret militaire. Vous ne m'avez pas encore jeté dehors, pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre? Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le, et je verrai ce que je peux faire. Qu'est-ce que vous gagnez à tuer le griffon? Je suis responsable de ces villageois. J'ai déjà 10 victimes sur les bras, dont plusieurs de mes hommes. Pour chasser ce monstre, il faudrait que je mobilise toute ma garnison pour une battue. Et c'est tout simplement impossible. Quoi? Ce serait trop fatigant? Non. Trop risqué. Je ne peux pas disperser mes forces. Nous avons peut-être vaincu l'armée de Temeria, mais la populace ne demande qu'à se soulever contre nous. Alors ce griffon, je peux l'ignorer, ou faire appel à un professionnel. Marché conclu. Vous savez où trouver la tanière du griffon? Au début, il rôdait surtout dans le bois vulpin. J'ai envoyé une patrouille de 5 hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je vais avoir besoin de feuilles de nerf-prin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieues à la ronde. Du nerf-prin. Je n'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Mains en l'air, tuez-les, ce genre de choses. Non, j'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Allez voir Tomira, l'herboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Son sexe d'abord. Et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins? Non, ils ne m'apprendront rien d'intéressant. Je vais aller jeter un œil à l'endroit où vos hommes sont morts. Comment s'appelle le chasseur qui les a retrouvés? Mislav. Il vit dans une hutte au sud du village, en lisière du bois. Il est plutôt affable, mais un peu étrange. Tomira et Mislav. Merci. Esuniakten. Parler de la brigade Briette. Elle était composée de ceux de ton espèce, les non-humains. Seride. Essaye Andra, Nepmekez. Ma grand-mère m'a parlé du fils du forgeron. Il a disparu soudainement. Alors les villageois ont capturé... Bonne mère, tu viens trinquer avec moi? C'est Dervan maintenant. D-E-R-V-A-N. Il pleut, il mouille, l'empereur est mis ronflouille. C'est cogner la tête en allant au lit. Demain matin, je nage pas. Il y a quelqu'un? Il doit être parti chasser. La piste est encore fraîche. Mislav vient de partir. Vous êtes Mislav? Chut! Vous avez entendu? Des loups? Non. Des chiens sauvages. Ouais. Encore plus dangereux que les loups. Des chiens plus dangereux que des loups? Ça m'étonnerait. C'est pourtant vrai. Vous savez pourquoi? Non, mais vous allez me le dire. Les loups chassent pour manger. Mais les chiens sauvages, eux, ils tuent pour le plaisir. Tout comme les humains. Ouais. Ils ont appris beaucoup de choses des humains. En particulier la cruauté. Je chasse un plus gros gibier. Où avez-vous trouvé les Nilfgaardiens tués par le griffon? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Le fameux tueur de monstres dont on cause dans le village? Oui. D'accord, je vais vous montrer. Mais je dois d'abord m'occuper de ces clébards. Vous voulez bien m'aider? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent. D'accord. Le griffon n'ira pas loin de toute façon. Lui, non, mais les chiens... Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Ça fait longtemps que ces chiens posent problème? Depuis le début de la guerre. Les soldats tuent les hommes, violent les femmes, bouffent les vaches. Mais les chiens, ils se prennent un coup de pied tout au plus. Sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meute. Ils sont maigres, affamés et malades, mais ils refusent de crever. Ils sont malins, plus malins que des renards. Et par-dessus tout, ils détestent les hommes. Trop tard, ils ont encore frappé. Alors, on a les foies ? Connaissez ? J'ai servi avec lui au manoir du Seigneur, là où l'armée noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais c'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Avant quoi ? Avant qu'il me chasse du village. Qu'est-ce que vous avez fait ? Rien. Mais je suis un monstre, paraît-il. Désolé, mais j'ai pas envie d'en parler. Moi aussi, je suis un monstre. Ouais, mais pas comme moi. Si vous êtes un lycanthrope, je peux vous aider. Un quoi? Un loup-garou. J'ai déjà rencontré ce genre de problème. En général, il s'agit d'une simple malédiction qui... Non, c'est Florian, le fils du Seigneur. C'était mon amant. Un jour, Dieter nous a surpris dans l'écurie. Ils m'ont chassé, et Florian s'est pendu. Le Seigneur a commencé à boire, et le domaine est tombé en ruine. Voilà, vous savez tout. Je suis désolé. Bon, c'est de l'histoire ancienne. Venez, je vais vous montrer où j'ai trouvé les Nilfgaardiens. Que savez-vous sur le griffon? Pas grand-chose. C'est pas trop mon genre de gibier. À votre place, je m'y intéresserais. Ne serait-ce que pour ne pas finir dans son estomac. Je me déplace en silence. Aucun griffon ne peut me voir ou m'entendre. Il y avait un corps là-bas, près de la souche. Et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Soyez prudents. Ça va aller. Ce n'est pas le premier griffon que j'affronte. Mais le dernier, j'imagine. J'espère pour vous. Bonne chasse. Le sol est noir, gorgé de sang. Les Nilfgaardiens célébraient leur victoire, et le griffon est venu gâcher la fête. Un campement. Ces empreintes sont plus anciennes et plus profondes. Des hommes en armure lourde. Sans doute des Nilfgaardiens. Le nid du griffon, ou ce qu'il en reste. une femelle. D'après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine. L'autre griffon est sans doute un mâle. Des entailles profondes sur tout le corps, et pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Elle ne s'est pas défendue. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. D'après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir 10 ou 12 ans. Les griffons s'accouplent pour la vie. Le mâle doit avoir à peu près le même âge. Rachis épais, pointe dense, c'est un griffon royal. Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif. Il a commencé par chasser les Nilfgaardiens dans la forêt, avant de s'attaquer au reste de la région. Je ne peux rien faire de plus. Il faut que je parle à Vesemir. Un site d'énergie. Je devrais y puiser. On a parlé du fils du forgeron. Dites-moi, mon frère. Il a disparu soudainement. À qui appartient ce champ de l'autre côté de la rivière? Ah, ça, c'est le champ de Boyan Clinique. Oui. Qu'y a-t-il, loup blanc? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le griffon à sa place. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs? Vas-y, dis-moi tout. Le griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi? J'en sais un peu plus sur lui. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin. Les Nilfgaardiens ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les œufs. Ils pensaient avoir réglé le problème. C'est toujours la même chose. Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses. J'ai trouvé le nerf brun. L'odeur est assez puissante. Ça devrait fonctionner. Tu veux dire que ça pue, oui? Espèce de citadin. La viande pourrie, le fumier, la pisse. Tout ça, ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un zeugle jusque dans un tas d'ordures à Trétogor. Tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur. Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes jours? Tout est prêt. On peut commencer quand tu veux. Je suis prêt. Ça ne sert à rien d'attendre. Allons trouver un endroit pour lui tendre un piège. J'ai déjà trouvé. Un petit bosquet isolé près des champs, de l'autre côté de la rivière. Personne ne viendra nous déranger. Parfait. On se retrouve là-bas. Démon aux yeux de vipère. Un ruisseau, des champs de blé. Quel endroit charmant. Idéal pour une embuscade. Tu as affaire à un expert. Alors on y va? Allons-y. Le vent est favorable. Le griffon n'aura aucun mal à sentir l'appât. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Viens, on va se cacher à l'ombre de ces bouleaux. Dis-moi, une fois qu'on aura trouvé Yennefer, tu vas faire quoi? Tu as un contrat en vue? Non. Je vais rentrer à Kaer Morhen. C'est un peu tôt pour hiberner, non? La neige tarde à venir, je sais. Et justement, ça m'inquiète. L'armée du Nilfgaard a traversé le Pontar à l'est. Elle est à une semaine de marche de Kaer Morhen. Si elle atteint la vallée avant les premières neiges... Enfin bref, il va falloir masquer les traces de notre passage. En parlant d'hiver et d'hibernation, tu comptes venir cette année? Peut-être. Avec une invitée, j'espère. Gagner aux cartes en t'attendant. Ça pourrait te servir. Un sorceleur avec une arbalète. Ce n'est pas un peu contraire à la tradition? Oh, ça va. On a un griffon à tuer, je te rappelle. Attention! Pas mal. Pas mal. Tu as encore quelques points à travailler, cela dit. Par exemple? Ton attaque verticale, on la voit venir de loin. Mais bon, on verra ça plus tard. Apporte la tête du griffon aux escadrons noirs, moi je vais préparer les chevaux. On se retrouve à l'auberge. C'est un Védiline. Les frères ne voudront jamais me croire. Allez parler au commandant. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Du zeugle. Non mais tu crois que je suis aveugle? Ou stupide peut-être? Ces grains sont pourris. J'en savais rien. Bordel, vous n'apprendrez donc jamais. Code militaire, article 2, alinéa 3. Pour la livraison de marchandises avariées, 15 coups de fouet. Exécution! Non! Par les dieux, pitié! Quoi? Je vois que vous avez fini de jouer les protecteurs. Je ne jouais pas. J'ai tendu la main à ces gens. Et ils ont craché dessus. Peut-être parce que cette même main avait tué leurs proches. Ah, un moraliste. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Je ne serai jamais à votre place. Et qu'est-ce qui vous amène? J'ai fait ce que j'avais à faire. À votre tour maintenant. Où est parti Yennefer? À Vizima. Depuis tout ce temps, elle était à une journée d'ici, juste sous mon nez. Vous auriez pu me le dire. J'aurais pu, oui. Mais vous n'auriez pas tué le griffon. On n'a rien sans rien. Attendez. Attendez. Tenez. Voici votre or. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous ai floué. Pauvre salé. Arrêtez!